Karine Ferry connaît un grand succès dans sa carrière d'animatrice. Après avoir animé The Voice et Danse avec les Stars, les téléspectateurs pourront la retrouver le 31 décembre dans Les Grands Bêtisiers. Mis à part son métier, Karine Ferry est aussi une épouse et une mère de famille. Elle est notamment mariée à Johan Gourcuff depuis 2019. Et le vendredi 4 décembre 2020, il a été révélé que Karine Ferry a changé son nom par amour pour son mari. Les hommes de SAVIE, Karine Ferry est une femme très belle et talentueuse. La présentatrice de TF1 a connu des hommes avec qui elle a entamé une idylle. Parmi eux, un certain Steven Geoffrino qui était son premier amour. Tout a commencé en 2004. À cette époque, Karine Ferry est apparue dans l'émission Bachelor pour conquérir le cœur de Steven Geoffrino. Cependant, le jeune homme a décidé de partir seul à la fin de l'émission. Mais les deux reprennent contact par la suite et se mettent en couple. Ils ont été ensemble pendant un an. Peu de temps après sa séparation avec Steven Geoffrino, Karine Ferry fait la rencontre du chanteur Grégory Le Marchal qui venait de remporter la 4e édition de Star Academy. Les deux stars étaient très amoureuses et se sont affichées régulièrement en public. Mais en 2007, Grégory Le Marchal a perdu la vie après son combat contre la mucoviscidose. Son décès sera marqué à tout jamais dans le cœur de l'animatrice. Par la suite, Karine Ferry décide d'aller de l'avant malgré la disparition de son défunt compagnon. Elle a retrouvé l'amour dans les bras de Johan Gourcuff. Le 6 avril 2016, les deux tourtereaux deviennent les parents d'un petit garçon prénommé Maël. Deux ans plus tard, soit le 16 juillet 2018, Karine Ferry met au monde sa fille Claudia. Le 8 juin 2019, l'animatrice et le père de ses enfants se sont dit oui dans le Var. Absent sur le terrain pour une bonne cause, le mari de Karine Ferry est un célèbre footballeur international français. Depuis plusieurs mois, Johan Gourcuff se fait très discret sur le terrain, après son départ de Dijon en janvier 2019. Père, Christian Gourcuff, a révélé le 19 octobre 2020, dans l'émission Top of the Foot, que celui-ci se concentre désormais sur sa petite famille. Je viens de faire 2 heures de vélo avec lui. Il s'entretient, il fait du tennis, progresse. Surtout, il s'occupe de ses enfants, a-t-il déclaré. Toutefois, Johan Gourcuff n'arrête pas définitivement le ballon rond puisqu'il serait, apparemment, intéressé pour une poste en tant qu'entraîneur. Suit toujours le foot. Je ne vais pas parler à sa place, mais je pense que c'est quelque chose qui peut le brancher, a confié son père. L'animatrice change de nom pour son mari si Karine Ferry avait déclaré en 2019, dans une interview, qu'elle ne souhaite pas porter le nom de son mari à la télévision, cette dernière semble avoir changé d'avis. En effet, alors qu'elle présentait l'émission Euromillion sur TF1, les téléspectateurs ont pu découvrir que Karine Ferry a changé son nom en Karine Ferry Gourcuff. On lui a proposé vendredi avant le tournage et elle a trouvé ça chouette, a déclaré un proche de l'animatrice. Il ne reste plus qu'à savoir si la maman de Maël et Claudia utilisera ce même nom dans les autres émissions. Des révélations. Karine Ferry est une femme très épanouie. Du succès fou qu'elle connaît, elle est aussi très heureuse grâce à ses deux enfants. Elle a d'ailleurs parlé d'eux et de sa participation dans Mask Singer, dans les colonnes de Téléstar.
L'animatrice Karine Ferry.